Beaucoup naïf. Moi, je pense que les gens ont mal interprété ses propos. Non. Il faut suivre l'intégralité de son intervention. Il parlait de Abandé Kolobela, COVID-19, dans le monde entier. Et il parlait aussi de l'effet néfaste, c'est-à-dire les conséquences économiques et les conséquences sociales. Il a démontré comment, sur le plan de l'emploi, ça peut réduire le chômage. Il a fait des analyses et il a parlé des pays qui sont beaucoup plus touchés. Ce sont des pays qui sont fragiles. Les termes qu'il a utilisé. Il a parlé de l'escroc, à l'obéli bas escroc, à l'obéli bas tyran. Mais surtout qu'il y a un dictionnaire. Eh bien, si escroc, mouto aye ko soutirer le consus en contrepartie. C'est-à-dire, mouto ça lui promesse même y a le mouto qui mouto au oiseau exercer pouvoir. Hein? En violation, il y a la loi divine et puis en violation, il y a la loi du peuple. Ouais. C'est-à-dire, mais surtout t'as lu l'élo. Madame, si on a bien abandonné tangé loi la constitution, na yambo kanabiso. To bandi na article 11. Ti na article ti to ko matin article 65. Et de bon, 65e article, des articles 11 ti na 65, mingo lo bela droits humains. Au moins que ça respecté té. Et ça respecté té. Le fait que ça respecté té. Est-ce que ba respecté peuple? Tant beau respecter volonté à peuple té, beau respecter mi beko ça établi té. Cela veut dire quoi? Vous êtes des tyrans, vous êtes des dictateurs. Alors, il fallait que seulement Euta et pas un journaliste à Libanda et RT. Et puis, ce qui m'a fait mal, c'est la façon dont les autorités n'ont pas réagi réagir. Nango. Et pensez à Yango, à changer. Est-ce qu'ils ont regretté, s'excuser pendant ensemble la déclaration. Mais à l'obi, boye. Et c'est surtout parce que parole, à l'obi, ceux qui parlent, ceux qui parlent, et RT. Habitez pensée. Parole de RT, mais pensée n'est pas dans la logique. Il y a que les politiciens gèrent le pays. Il y a principe il y a qu'on répondre à l'attente de la population. Et non, président, ça qui t'emballe, n'est pas ministre. Non, président devrait saisir le premier ministre. Et le premier ministre va ordonner à son collaborateur soit de repousser, soit de suspendre cet arrêté. Mais donc, toujours mon théâtralisation, il y a la vie politique congolaise. Toujours mon ango, et ça fait honte, ça fait mal. Ça fait vraiment mal comment on a ce qui se passe maintenant là. Mbote na bino bandeko balandi ya la chaîne de vérité, mbote na bandeko balandi ya émission vérité de tous côtés, sengo makasi kokota lisusu na bandako na bino, surtout koyeba te vous allez belé, vous allez kolanda biso na kosenga na bino juste et vous continuez ko s'abonner, vous s'abonner massivement na kati ya chaîne de vérité pour na korate actualité politique congolaise et pourquoi parce que biso to lukela ka bino bana mboka ko baloba ba solo parce que tous na kati ya chaîne de vérité et surtout émission vérité de tous côtés au vrai surtout ma Italie politique et congolaise. Voilà, les gens qui vraiment na essayé de faire des choses. Nous sommes activistes, azali résistants, azali analystes politiques. Na kombo ya ndeko Gautier Bomandeke au format de Rousseau. Maizali koleka namboka na biso maizali ko salama namboka na biso République démocratique du Congo mozala ke bele ya ko kota biso na banda kuna bino mozala ke bele ya ko yamba biso merci na yo popola yombe o zo misi ma caméra merci na cordon opi ma fuku merci na équipe mon matron de Vpiscar télévision surtout na yo Christian Bopati les référendum depuis Paris voilà actualité politique ezali ko exige biso mikolo wuti koleka ya 2-3 jours tout monde ki vidéo un journaliste ou y a cela qui traité Félix Tshilombo na Kabila ba escroc mais na simana yango après que l'État congolais qui exigeait ba esquisse a fait des déclarations topé du sous lobby était arrive des fois où parole et des pensées à penser apparemment les canadiens et tikali kaka moko mais malobande zalaki mo makasi mbote de kogote bomandeke
Mbote, maman Mupandi Sango, maman Joël. La santé est ma lamo. Je suis allé à la bande de Colombo la masque. Je suis allé saluer les internautes, les abonnés à la Plus Claire Télévision. Je suis allé à la télévision, à la poste récepteur, ou soit à la téléphone. Donc, je suis allé à la bango. Je suis allé à la bande de Christian Bopate. Voilà les référendums depuis Paris. Côté Boman de Kitouzaki, vraiment ici. Yako Yambayo, Nabanza et Banamboga, Batinde la Kinga de Zosu, vidéo et des journalistes, les Pays Batali Singa Balobite, Meganango Benga Gote, Bomande, Kayaza, Kassi Nabangambuana, Bo analyser Muki, surtout Maloubawana et Ndeko. Alobi était la rive des fois ou ba parole, Maloba. Et des Basakama Kanisi. Bande Kumsu, donc vous allez essayer de si Bango de Yoko Bande. Bon, maman journaliste. Na landa ki intervention ya ndeko na biso journaliste wana bon na obengi ndeko parce que c'est un humain naza raciste était naza mais il a tenu un peu de propos où ils ont vraiment normalité ils ont normalité parce que biso toza ba congolais et ba symbole ya mboka na biso eza ba institution et chaque congolais peu importe ba divergence ya ba opinion na biso toza censé pour défendre l'institution Nabisso contre l'attaque étrangère. Entre nous, oui, on peut avoir divergence d'opinion, mais lorsqu'il y a une menace extérieure, il faut tout s'allier derrière l'institution Nabisso. C'est ce que font les Américains. Il y a un peu mon narratif, l'Américain a toujours ma casse. Pourquoi? Parce qu'à un moment, lorsqu'il s'agit de menace extérieure, se mettre d'accord comme un seul homme pour bouter la menace d'ailleurs. S'agissant à propos y a Christian Mala, on a toujours un respect envers les journalistes pour nous salar bas salak. Mais les gens bah interprétaient peut-être mal propos naï. Moi je pense que les gens ont mal interprété ses propos. Il faut suivre l'intégralité de son intervention. Il parlait de abandon colombien la COVID 19 dans le monde entier et il parlait aussi naba bah effet néfaste nango c'est-à-dire conséquences économiques et conséquences sociales. Il a démontré comment sur le plan y a emploi ça peut réduire économiquement ça bat chômage. Il a fait des analyses et il a parlé pays où ça l'a beaucoup plus touché, ce sont des pays qui sont fragiles. Madame, lorsque vous êtes dans un pays où vous faites besoin ça la face na pandémie loco la COVID 19. Non, tout ça quand même sérieux. Toujours qu'à monter chaque pays au monde, va se débloquer. Au Sénégal, plus d'un milliard na Sénégal. Au pays donc va débourser, va monter moko ya ebélé pour en faire face à la pandémie. Mais vous voyez combien le gouvernement a déboursé? Combien? 2,8 millions de dollars. Alors, non, maman Joël, tout ça là quand même sérieux. Et ça là, on a eu beaucoup passé. Certaines personnes, quand ils ceux qui peut-être tout ça s'exprimer, qui tout ça contre Batou. Non, ils n'ont pas tout ça contre Batou. Ils ont la notion que tout ça est vraiment respecté Batou. Hein? Constitution, Nabiso, article 16 et lobby Boye. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la protéger. Au stade actuel, l'État, il fallait tant que vous avez programmé l'état d'urgence, dans l'état d'urgence, on sous-attaque la force et puis l'énergie, la bisounion, ce qu'on a focalisé pour lutter contre la menace. 2,8 millions de personnes qui ont lutté contre le coronavirus. 2,8 millions. Les Américains, les lots, aident les Américains pour le coronavirus et ont déjà dépassé 15 millions de dollars. Et dépasser 15 millions de dollars. Natangi 15 millions, non pas quand ça 15 millions de bungaka. Je ne parle pas de ça, mais je parle. Donc, nous sommes déjà dans les 17 millions d'aides américaines. Alors, on peut dire que le gouvernement américain a plus soucié la population congolaise que le gouvernement congolais. Parce que c'est inacceptable qu'un gouvernement étranger débloque beaucoup plus de fonds que votre propre gouvernement. Donc, dans ma déclaration, il y a un contexte avec le coronavirus. Et abandonner que la pauvreté, donc, il y a conséquence, il y a maladie ou anadomba. Le pays est fragile. À tel équipe par rapport, il y a montant. Un
pays bino moko nan ba konzi ya mboka bozo debousser 2,800,000 pona ko lutter contre coronavirus. Mm-hmm. Alors est-ce que ceux qui États-Unis a frappé est-ce que bino vous allez épargner? Vous en avez moins de à militer contre un. Il y a un moment là, il a parlé. Et puis surtout que na logique, les termes qu'il a utilisé. Il a parlé de l'escroc, à l'obéli bas escroc, à l'obéli bas tyran. Mais surtout que na dictionnaire. Eh bien, si escroc est année, escroc est un mouton aille qu'on soutire l'eau comme sus en contrepartie. C'est-à-dire mouton salut promesse même il y a le kuta. Ndeti na ye na bi maman Joël. Ce que benyenga na émission na yo, ce qui na ye na kofuta yo peut-être 100 $ pour na participer na émission. Ouais. J'arrive comme ça na pêche sur $100, t'es na pêche sur $5. Naza escroc. Et bien bon, depuis les lobes dans le Congo, les Congolais n'ont surtout la plupart, pas tout le monde, pas tous les députés, tous les politiciens, on appelle la plupart de nos politiciens comme étant Batualukuta. Il y a quand même pas un abisso au vote. Alors, la plupart, voilà. Alors, tous les politiciens, quand ils arrivent chez le peuple pour demander l'élection, ça a toujours ma promesse. Aujourd'hui, ce qui est total par rapport à ma promesse, président Félix Assalaki, et le peuple congolais, 2 ans déjà depuis investir, donc qui est 2 ans déjà depuis investir, au moins a réalisé même pas 30% de la promesse. Ce qui est la logique, il a trompé la population. Quand on trompe la population, c'est de l'escroquerie. A escroqué confiance, a escroqué la voix. C'est ça l'escroquerie. On ne peut pas aujourd'hui reprocher à des députés qui ont été en train. Parce qu'il y a des députés qui sont à la FCC, mais à se présenter comme étant indépendant. Elle va voter après à Zongi, à Godin Poi, à Papa Molière, ni Mademba. Donc, elle va se présenter comme Moutouya indépendant, mais en réalité, c'est la FCC. Donc, c'est ça de l'escroquerie. Est-ce que l'escroquerie est ça, ça a toki boukol, pan, moutoni? Non, le fait au cosi peuple. Et il a parlé par rapport à ça. Et toi, il y a une hypothèse, Moussoua, le béni, il y a tyran. Madame, il faut que tu aies un dictionnaire. Car, tu vois, maman, Moussoua, tant que Moutouya utilisé, yango, il faut que le canon contexte n'y a utilisé. Oh, tira sur ton texte la définition mingi et kende. Ils ont expliqué. Bon, n'agro définir en mot dans le dictionnaire parce que ils ont belé. Mais on a à comprendre dans mot an. Ils arrivent que mutu ou ils ont exercé pouvoir. Hein? En violation, il y a la loi divine et puis en violation, il y a la loi du peuple. Ouais. C'est-à-dire, mais sur total il est là. Madame, si on a bien abandonné tangeloga la constitution, na yambo na biso. To bandi na article 11. Ti na article ti to ko matin article 65. Et bon, 65e article, des articles 11 ti na 65. Ou mingi lo bela ba droits humains. Au moins na keza respecté té. Et ça respecté té. Le fait keza respecté té. Est-ce que ba respecté peuple? Tant beau respecter volonté à peuple té, beau respecter mi beko eza établi té. Cela veut dire quoi? Vous êtes des tyrans, vous êtes des dictateurs. Alors, il fallait que seulement Outa et pas un journaliste à Libanda et RT. Et puis, ce qui m'a fait mal, c'est la façon dont les autorités n'abissent pas à réagir. On ne pouvait pas donner l'importance à un journaliste. On mobilise toutes les institutions. Il y a représentation d'Abisso, ministre des Affaires étrangères, a réagi. J'ai vu le ministre de la Coopération a réagi. C'est un mot spécial émission. Non. Un journaliste. Il y a un coup sur coup. C'est-à-dire, un journaliste, c'est un peu comme ça. Il y a une information. Il y a une information concernée au pays. Il y a une chaîne ligne. I24, il y a des Israéliens. Donc, les Israéliens ont servi une chaîne. D'accord, il y a un journaliste français. Il y a récupéré dans Macron. Il y a un journaliste, il y a une investigation comme Mike Mukebay. Bon, bien qu'il y a déjà honorable. Mais il y a un honorable Mike parce que il y a un journaliste d'investigation. Quand il passe avec des preuves. Bien que bon, moi, langage, honorable Kouloutou, deuxième mois mouké, tu vois, moi, deuxième mois mouké, ma vitesse. Donc, les gens vous haïssent parce que vous dites la vérité, parce que vous n'avez pas la vérité. Donc, il fallait que vous ayez un journaliste, un abisso, qui a cassé une investigation, qui établi un peu de faille. Il y a un adversaire. Et vous tiens à ta chaîne, un abisso, RTNC, vous tiens à la disposition, réplique.
C'est-à-dire, on a commis entre les journalistes, mais non, pour engager, donc, pour engager. Parce que quand même, il a tenu un instrument à diplomatie. Pourquoi la diplomatie, il y a un outil démontrer, il y a un politicien, il y a la population, il voir. Quand un politicien arrive chez vous aujourd'hui, il y a que ce soit le président Kabila, il nous avait promis, il y a ça l'autoroute, style, à Salaté, à Prometta, Bissoport, il y a Banana. Là, je parle seulement du président Kabila. Et là, on peut, ne peut pas parler de l'escroquerie, ça. Sauf que tu as dit escroquerie, ils ont qualification à Moutou. Quand tu viens chez moi, tu demandes à voter, au salé, au je te vote, au salé à moté. Non, c'est de l'escroquerie, au escroquerie. Président Félix Salarabi, sur le nom, au tchap base, côté, il y a Estel, tu es là, c'est de l'escroquerie. Donc, tu vois, maintenant, est-ce que ce que le lobby Boéza, au fingi, c'est juste, il y a un moment où il y a un journaliste à revenir. Pensez à Yéza ou Mana Utiko Loba. Mais il y a beaucoup à l'objet à l'objet des fois des paroles. Des fois, paroles, quand il faut dépasser. Non, pensez à la même. Tu vois un peu, pensez à Yango, à changer de. Est-ce qu'il y a qui a regretté, il y a qui a s'excusé pendant ensemble, il y a déclaration Naye. Mais à l'objet Boye. Et c'est surtout parce que. Ceux qui parlent, à l'objet, ceux qui parlent Naye, ceux qui parlent Naye et RT. Habitez pensez. Parole de RT, mais pensez à la logique. Il y a que les politiciens voilà. Gèrent le pays. Il y a principe qui a correspondre à l'attente de la population. Voilà, je vous ai dit, journaliste à la Rana Kaye, il y a qu'on s'est préparé pour l'interview, pour une émission, et aussi de noter. Parce que temps fort, vous savez pas, c'est à base, c'est sur base de quoi. Voilà pourquoi Bobby n'a pas de devoir, n'a pas de devoir. Mais après, tout le monde est là, et tout. Ça se passe comment? Bon, je soutenu un peu. Na idée au lobby à Yakoko Manakae. Non, les journalistes, les mopandisango. C'est normal. Il faut se servir d'un instrument. Donc, normalement, je peux comme invité. Ce qui est un débat contradictoire, je peux être un interlocuteur ou un débat. Je peux noter quelque chose. Et puis, comme je pose à un journaliste, le fait que le il y a peut-être une question. Mais le fait que nous avons intervenu, ça peut te donner l'idée. Et tu peux noter ça parce que. Quoi qu'au cas t'as enchaînement y a réflexion dans la tête, c'est dans ce sens là. Donc qu'osala na kaye esa instrument y a musala na yo, c'est normal comme caméra. Donc ce balobi osala na kaye te caméra pèse à la tête, ce caméra esa te baota la nene. Ce sont des instruments y a travail. Il faut plutôt encourager. Donc ça va être l'important, c'est que t'as la contenu y a émission. Voilà, merci beaucoup. Revenons sur la l'arrêté, oui. Parce que le ministre Azako Agi n'a arrêté. Moi, je ne sais pas. Il y a la loi et l'administration où ils existent. Toujours promettre l'état des droits. Est-ce qu'il y a loi arrêté et ministre à fonction publique et violé constitution ou Mubeko Yambok? Jusque-là, à ma connaissance, jusque-là, est violé dans le côté. Ah bon? Oui. Ce qui est violé le côté, pourquoi maintenant le directeur adjoint et cabinet chef de l'État, il peut écrire une lettre en demandant au ministre, non pas d'annuler, en demandant au ministre de reporter. C'est-à-dire, le fait qu'on lui a demandé de reporter, ce qui revient à dire qu'arrêter ESA, légal. Le fait, c'est-à-dire, c'est légal. Il y a reporté, peut-être parce qu'il n'y a pas consensus entre la désignation, il y a animateur, il y a le secrétaire général, ou le outil qu'on nomme. Mais non, revenir, Ndeko. Ndeko, tout le monde a communiqué mon co. Dans la rencontre, il y a le président Félix, le président Kabila, président honoraire.
pour ne pas na RT ba bandeko président honoraire Joseph Kabila na président de la République Félix Tshisekedi communiquer moko ya ba rencontre en bango balobaki ba dépolitiser administration publique. Quand vous parlez de dépolitiser, eh bien bon, il faut assumer les conséquences. Et maintenant là, le fait que présidence, parce que moi je parle de la présidence parce que l'être outil n'a directeur à cabinet à chef de l'État, c'est qui est outil ou outil n'a présidence. C'est-à-dire c'est pas directeur à la prison. Non, directeur à cabinet adjoint. Il a des adjoints, continuité de l'administration. Donc, directeur à cabinet, comme il n'est pas encore condamné, donc il est encore là en fonction, donc à perdre nos fonctions, a été comme président Félix a une autre décision à vous remplacer, il est encore en fonction. Donc, Vital Kamerhe, jusque-là, il est encore directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État. Mais il ne peut pas poser peut-être des actes administratifs. Mais signature, les gens. Tout le signé, c'est les adjoints, il avait des adjoints. Et fonctionnement et administration, c'est un bon adjoint pour nous remplacer chef en cas d'empêchement ou en cas de. Donc, le fait que on lui a demandé. Directeur à cabinet adjoint a sengi a repoussé, c'est que arrêté est conforme à la loi. Alors pourquoi Kosengaye a repoussé? Pourquoi Kosengaye a repoussé? Est-ce que le pays à ce stade a besoin de ça? Le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin d'avancer. Alors, ministre, il y a fonction publique. Il a fait ça en respectant la loi Yamboka ou il a fait ça en violation? L'année où on a eu toujours le baquet, juste là, et là, on a démontré qu'il a violé Mibeko Yamboka. Erreur menée où tu as, erreur où tu as la présidence. Président de la République, hasard est devable était dans le Parlement. C'est plutôt le gouvernement qui est redevable dans le Parlement. Ce qui Mibeko Yamboka, ministre, arrêté à ministre et à fonction publique, ils ont violé. Mibeko, c'est au Parlement d'interpeller ou au Premier ministre. Et non, président, ça qui t'emballe, n'est pas ministre. Non, président devrait saisir le Premier ministre. Et le Premier ministre va ordonner à son collaborateur, soit de repousser, soit de suspendre cet arrêté. Mais donc, toujours mon théâtralisation, il y a la vie politique congolaise. Toujours mon ango, et ça fait honte, ça fait mal. Ça fait vraiment mal comment on a ce qui se passe maintenant là. Donc, les informations à ma possession, il semble même que les gens là, certains ont déjà la notification, d'autres peuvent être bientôt là, donc ils sont encore en fonction. Le fait qu'ils vont encore entrer en fonction, ça c'est. Les directeurs des cabinets adjoints viennent d'humilier encore les chefs de l'État. Parce que qu'est-ce que l'opinion va dire? Mukanda, chef de l'État, n'est pas ministre de la fonction publique et produit à effet. Alors pourquoi faire cela? Est-ce que le chef de l'État n'a pas les services compétents au bas à une information avant que le ministre ait une décision pour ne pas qu'il y ait des conséquences? Et puis, ministre, la nomination, les gens qu'on a nommés, ce sont des personnalités. Ce sont des personnalités, bien que de l'administration, mais le ministre ne peut pas prendre cette décision seule. Il doit y avoir peut-être, il y a eu des discussions au niveau, soit il y a conseil des ministres ou quoi que ce soit pour nous délibérer. Mais là aussi, moi je peux parler, il y a ministre, il y a fonction publique, c'est là où il a nommé le secrétaire général, il y a UNESCO, je crois, en charge, il y a UNESCO. Non, non, ce n'est pas de ses compétences. Là, vraiment, on doit se le dire, ce n'est pas de ses compétences, c'est plutôt, la compétence revient soit au ministre des Affaires étrangères, soit au ministre de la Coopération. Donc, pour la deuxième fois, ministre des Affaires étrangères vient d'être encore dribblé. Dans cette émission, il y a un représentant, il y a RDC dans la francophonie, ministre des Affaires étrangères, il y a quitté, tu as rappelé, il a nommé il y a UNESCO, ministre des Affaires étrangères, à y habiter. Donc, il y a des gens qui sont distraits. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est quoi? Nous nous sommes engagés dans ce pays. Maman Joël, ce n'est pas parce que je critique acte, fait le gouvernement, que je peux souhaiter, je suis contre Félix Tshisekedi. Non, il est contre. Non, 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 maman Joël, nous avons mené une lutte. Non, moi, je suis fier de le dire. Moi, j'ai soutenu la candidature de Martin Fayoul. J'ai bâti campagne pour Martin Fayoul. J'ai voté Martin Fayoul. C'est ce que je fais.
Et après, proclamation et élection, tu m'as déjà vu venir parler de Martin Fayulu. Moi, ma lutte, c'était que Tshadai n'est pas passé. Ce qui a été fait, Tshadai n'a pas passé. Et maintenant, comme Félix est là, oui, j'avais l'espoir au début mm-hmm. que, voilà, au moins, c'est un opposant qui a gagné. Parce que j'ai eu aussi à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Ouais. Pendant la négociation, il y a accord à Saint-Sylvestre. Où tu promettais que, comme candidat premier ministre, au Étienne Tshisekedi Atikaki. C'était ça. Et je suis dans ces lignées-là, madame. Moi, je ne renonce pas à quelque chose que je m'étais engagé. Félix Tshisekedi, comme personne, je n'ai pas de problème avec lui. Mais comme président de la République, j'ai des problèmes parce qu'il y a des lois de notre pays qui garantissent un bon fonctionnement. Seul Congolais, seul Moutou a prêté serment devant le peuple, c'est le président de la République. Alors, serment, il faut respecter en pour garantir le bien-être social. Tant que le bien-être social les a garantis, t'es bien bon, nous serons là, nous serons ceux qui vont dénoncer, ceux qui vont continuer à critiquer en toute indépendance, en toute partialité, sans avoir peur, sans avoir crainte de qui que ce soit. Parce que le Congo nous appartient tous. Le Congo, les Congo et Abissonioso, ni n'a le monopole de l'amour de ces pays. Nous aimons tous le Congo et le Congo nous appartient. Voilà, le Congo nous appartient parce que ils allaient au Sénégal, ils allaient vraiment monter à Koléka, qui ils allaient au Kabola Bisso, voilà. Et l'incompétence, c'est allé quoi engendrer un matérialisme au sommet de l'État. Tout ça, la nini, tout continue toujours au bout d'un bon cannabis. Pour finir, Gauthier Bomandeke, procès à Vital Kamerhe, directeur et cabinet à Félix Tshilombo. Azali, procès n'a pas été fixé pour les 11 prochains, donc en mois et mai. Est-ce que le lingo roman à Makambo est au Kende? À cause de la kit, surtout ma charge, vous allez porter contre lui. Moi, je. Bon, maman, je veux. Parfois, là, moi, c'est tout ce que je fais dans ma vie, c'est de réfléchir. Analyser, ouais. Même les images, je pousse toujours, les propos, ouais, ouais, les discours. Ouais. Tout, voilà. Tout. Mm. Je lis documents, il y a parquet. Ou ba charge ba porter sérieux. Na tangi yango na retangi yango. Ndeko. Bon, comme mes dossiers en instruction, je ne peux pas pousser kokende vraiment en profondeur ya bani mais na kotika na analyse. Na analyse, ce qui na tika na analyse, il y a à boire et à manger dans ces dossiers à Vital Kamerhe. Et les perdants peut-être que Vital Kamerhe était. Ah bon? Moi je vous dis madame, les perdants ils ont la Vital Kamerhe. Pourquoi Vital Kamerhe ils ont la perdante? Ça n'engage que moi réflexion. Ouais. Comme Congolais, ouais. J'ai le droit de réfléchir. Ouais. Certaines personnes pensent que Vital Kamerhe constitue un blocage pour Félix Tshisekedi. Donc il faut l'éliminer. D'autres par contre pensent que Kamerhe est le candidat valable pour 2023. C'est-à-dire nous avons déjà des cas. Des cas on est bimouap. Na kati ya cash. FCC bazana no intact. Jusque là na FCC mutu abimate bazana no intact. Bloc na bango eza solide. Et cash déjà fissure ezokende. Soit le président Félix doit intervenir pour sauver Vital Kamerhe. Biloko mi balé kokoma. Biloko ni. Si on condamne Félix l'honorable Vital Kamerhe. Si on le condamne, les gens vont taxer aussi Félix Tshisekedi. On va les taxer comment? Directeur et cabinet na eux. Et rôle y a directeur et cabinet. Moi j'ai eu à collaborer un peu avec un bon nombre de politiciens. Il y a ce qu'on appelle les briefings. Le matin, chef Afandi, directeur et cabinet a yé bazaro babinga tête à tête. Directeur à cabinet a ressalé a repéré ces situations d'abord il y a cabinet et puis des situations il y a bas dossiers ils a en cours ou bas dossiers ils a déjà traité na ou ils a traité t. S'il s'avère que bas charges ils a pesé contre Vital Kamerhe ils a confirmé et que bas condamné on va dire que le chef de l'État était au courant de tout ça. Et raison pour laquelle na droit bas le bara na ou bas bengaka auteur et auteur et co-auteur, le bapel sous auteur matériel et auteur intellectuel. À ce stade, Vital Kamerhe, si il a condamné, je parle au conditionnel, ce qui a commis condamné, eh bien bon, M. Félix Tshisekedi ne peut pas être épargné parce que c'est son collaborateur.
proche. Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe bazalaka ensemble au moins 4 jours sur les 7 qui composent la semaine, même les dimanches. En dehors, il y a l'administration. Comment il peut master? C'est-à-dire, ce sont déjà, je ne sais pas, distraction ni basala, dame, GD6 ou tout ça, PlayStation ou tout ça. C'est-à-dire, basala master. Il passait beaucoup plus d'état depuis le président Félix a prêté qui s'est mort, depuis que Vital Kamerhe comme directeur à cabine. Donc, ils ont passé beaucoup plus d'état. Est-ce que... Donc aujourd'hui, on peut dire que Bato Bazali Koloba Keno, arrestation, interpellation, détention, ils allaient félicité, ils allaient Bato Misous. Non, moi je ne peux pas entrer dans ces débats. Moi je me limite dans l'analyse. Ceux qui, Kamerhe a condamné, les gens vont taxer Félix Tshisekedi. Tu étais là. Ceux qui Félix Tshisekedi. Aza incapable, il y a comme on a détournement au directeur à cabinet na au bafandi na pembe ni azo salaté. Ce qui aza incapable comme on a yango. Comment aza la capable il y a détournement, il y a administrateur à territoire il y a Walungu. Administrateur à territoire il y a Djera, bon il y a Mokoto par exemple. Administrateur à territoire il y a Lodja, il y a Kole, il y a Chumbe ou il y a Fizi. Tu vois un peu, il y a musique qui a ce qui m'a dit à Zanaïe Biro Moko, à comprendre que détecter la faille, à détecter la musique. Donc, ceux qui va condamner Vital Kamerhe, les Congolais doivent comprendre que le président Félix Tshisekedi a failli à sa mission. Le fait qu'il est incapable de contrôler le directeur et le cabinet, à combien il sera capable de contrôler les dinosaures, les tyrannosaures, les dinosaures, Deuxième hypothèse, ce qui va quitter maintenant Vital Kamerhe, c'est Félix Tshisekedi qui sera humilié. Il sera humilié comment? Tout le monde maintenant. Comment IDPS va vilipender Kamerhe? Et l'opinion, maman, se voiler ba facilité. Tu veux dire que quand on parle de 15 millions, on voit Vital Kamerhe. Et dossier à 15 millions, na 4 ans exacte. Peuple congolais, boye ba ke makambo bazo reproché Vital Kamerhe. 15 millions, tu yoka li solo ana. Oh, 15 millions, 15 millions. Na 4 il y a ba dossier Vital Kamerhe au samba lundi, exacte. Exacte pourquoi? Parce que Ezala qui déjà justifié. Ezala qui déjà rétro-commission. Ezala qui déjà justifié. Nan a justifié qui est président de la République. Rétro-commission. Na ka tu wana rétro-commission, Ezala parce que Ezala qui déjà justifié. Donc chef de l'État déjà à Samba place wana. Chef de l'État à Samba déjà. Donc ce que Vital Kamerhe a quitté, c'est plus l'opinion qui va voir qu'il y a un pouvoir de légèreté. Il y a un pouvoir. Pour le balade comme il y a compétence, hein, tout ça c'est. Ezala qui bima. Ils ont dit que c'est une compétence. Donc, ce qui est compétence, c'est ça. Et puis, c'est un matérisme au sommet de l'État. Donc, merci Nayo, Popo Layo, Mbozaï, qui est ma caméra. Merci Nayo, Routier Boumande, pour nous rouler dans le plateau. Il y a plus qu'à la télévision. Numéro, il y a un téléphone pour nous battre. Vous avez vraiment la boussine en allant. Oui, numéro, il y a un téléphone. Il y a un plus 243 89 60 13. 451, je répète, plus 243, 89, 60, 13, 451. Donc, numéro nanga privé, personnel, et puis numéro nanga saïlara, dans les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est Gauthier Boumandeke, sur Twitter, Gauthier Boumandeke, voilà un peu. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ezali vraiment essengo mangasi. Ya koyambaye le susu pona bino, bosenga ki vraiment que non hein, azonga kazonga ka. Bien que batama obo akimaka mais sinon na benda ye na zongisi ya na katia chaîne Anteke, la chaîne de vérité www.piscar télévision. Merci na yo le susu popo la yombe. Joyeux anniversaire au botoma ki lobby, ozo continue toujours aux ans nos bébés donc to continuer au souhaiter un joyeux anniversaire toujours. Merci na cordon au pima fuiku, merci na joyeux Gona gauche à terre d'image, on a son équipe Mobimba. Et plus tard, télévision, vous continuez vraiment à vous abonner massivement. Cette émission est terminée. Au revoir. Au revoir.